Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, après avoir fait quelques petites cartes sur le thème de Pâques, eh bien, je vais faire quelques petites ATC. Une série d'ATC qui sera à l'échange, mais comme je vous ai dit dans la causerie du dimanche, elles seront à l'échange que, je pense, au mois de juin. Oh oui, pas avant. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire tout ça avant, comme il y a le concours en route. Hein. Donc, voilà. Pour celles qui, n'oubliez pas, celles qui veulent participer au concours, vous avez jusqu'au 31 mai. Donc, il y a encore largement le temps. Vous avez encore 2 mois pour créer quelque chose. Voilà. Puisque c'est la participation, c'est une création. Voilà, et pour participer, il faut me... Pour celles qui ont déjà mes coordonnées, bon, voilà, hein, pour celles qui n'ont pas mes coordonnées, il faut m'envoyer un mail pour me demander mes coordonnées. Voilà, et donc, pas de carte, pas de quiz, pas... voilà, c'est pas du tout dans ce genre, pas d'ATC, hein, voilà. C'est vraiment une création, voilà. Mais c'est pas le but de ma vidéo, tout ça. Donc, mon but, c'est faire des petites ATC avec vous. Voilà. Alors, du coup, j'ai déjà préparé, évidemment, plein de choses. Parce que vous savez que c'est long, sinon. Et que déjà, je fais pas mal de blabla. Alors, du coup, hein, on va pas passer la journée entière pour faire ces petites ATC. Donc, une ATC, c'est quoi ? C'est des petites cartes à l'échange. Donc, c'est des petites cartes qui ont la taille d'une carte Pokémon. Hein, voilà, hein, c'est la même chose. À part que les Pokémon, c'est les enfants qui se les échangent. Les ATC, bah, c'est nous, les grands. Voilà, c'est nous aussi, on joue. Hein. Et donc, voilà. Donc, une ATC doit faire impérativement 8,9 cm sur 6,4 cm. Elle doit pas il faut éviter de mettre trop gros ah non, je vais recommencer par le début. Donc voilà, 8 sur 9 sur 6 sur 4. Vous avez un côté que vous décorez comme vous voulez. Voilà, c'est mieux de commencer comme ça. Et vous avez l'autre côté où on met, où on écrit, où on imprime. Voilà, puisque ça existe des tampons, ça existe des feuilles, des fichiers à imprimer, hein, des PDF qu'on trouve, je sais pas, peut-être sur Pinterest ou... enfin, voilà, je sais qu'il y en a. Ou même des fois dans les groupes d'ATC. Voilà. Moi, je l'ai fait le mien. Donc, dessus, il y a des choses qu'il faut mettre. Donc, vous pouvez aussi bien les écrire si vous n'avez pas ce qu'il faut, etc. Donc, il faut mettre le nom du créateur. Voilà, donc votre nom, votre pseudo. Souvent, c'est le pseudo, en fait. Hein, voilà, le nom ATC. Alors, ATC veut dire artiste trading carte, voilà. Ensuite, vous mettez le titre, c'est-à-dire le nom de la série, voilà, puisque ces petites cartes-là, la plupart du temps, c'est des séries, voilà. En fait, c'est rare que c'est une sur une, hein, mais apparemment, on peut, mais souvent, c'est des cas comme des cartes de visite, on ne fait jamais qu'une carte, on fait toujours plusieurs, donc, hein, voilà. Mais, voilà, ça va de une à, voilà. Moi, il y a des personnes, des fois, qui font jusqu'à 12 dans la même série. Moi, le maxi que j'ai fait jusqu'à présent dans une série, c'est 9. Voilà, comme là, on va faire 9. Mais des fois, j'en fais que 3 ou 6, je ne sais pas pourquoi, souvent je fais par... Mais on peut faire par 2, 3, 4, enfin comme vous voulez. Donc, le nom de la série, la date que vous l'avez fait et le numéro. Donc, le fameux numéro, que c'est une sur une, ou une sur deux, une sur trois, enfin voilà, selon le nombre que vous faites. Et ensuite, vos coordonnées, votre mail et votre adresse. Voilà. Ça, c'est une carte de visite, en fait. Hein. Donc, voilà, pour l'ATC. Et ça, on le colle, donc, au dos. Voilà, on colle au dos, comme ça. Et ici, de ce côté-là, donc, on décore. Voilà. Alors, la décoration, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, il n'y a rien, il n'y a aucun impératif. Hein, vraiment, c'est ce qu'on veut. Moi, pour ma part, à moi...
je trouve que c'est mieux d'éviter. Alors déjà, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Et éviter de mettre beaucoup d'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup à avoir des classeurs, en fait, des albums pour ranger les ATC dedans. Hein. Vous avez des gens qui en ont 100, 200, 300 ou même plus, hein, des ATC. Et donc, on les met dans des classeurs. Exactement les mêmes classeurs que les gamins, ils utilisent pour mettre leurs cartes, que ce soit des Pokémon ou les cartes de foot ou des choses comme ça. C'est les mêmes. Voilà, moi, c'est un comme ça que j'ai acheté. Et du coup, eh ben, y a la place bien pour mettre l'ATC, mais quand il y a un peu d'épaisseur, eh ben, ça coince un petit peu. Et en plus, des fois, quand on les range, ça abîme aussi. Donc, voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est mon avis. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais bon voilà, je trouve que c'est dommage, ça m'est déjà arrivé de recevoir des ATC magnifiques, mais en fait il y a tellement d'épaisseur que quand je range dans mon classeur, et ben c'est tout écrabouillé et voilà, donc voilà. Et quand ça dépasse, c'est exactement pareil. Hein. Quand on met et que ça dépasse, eh ben, ça va, si ça ne rentre pas d'un côté ou de l'autre, voilà. Ou si vous ne respectez pas les 8 sur 6, 4, c'est exactement pareil. Parce que les pochettes, elles sont prévues pour des cartes qui font 6,4. Si vous faites 6,8 sur 9,3 ou 4, eh ben, ça ne va pas rentrer dans la pochette. Et puis, de toute façon, ça, je me répète, mais ce ne sera pas une ATC, puisqu'une ATC, c'est 8,9 sur 6,4. Voilà. Bon, allez, hop, j'arrête. J'ai dit, voilà, je vous ai dit ce que c'était qu'une ATC, parce que à chaque fois que je fais une vidéo d'ATC, il y a souvent quand même des gens qui demandent c'est quoi une ATC. Donc, c'est pour ça, je préfère tout de suite expliquer au début, comme ça c'est fait. Maintenant, attaquons nos petites ATC. Alors, j'ai déjà préparé un peu près ce que je veux faire. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je suis allée sur Pinterest. Hein, voilà. Et j'ai récupéré toutes ces petites images comme ça. Voilà. J'ai récupéré plein d'images comme ça. Elles sont juste magnifiques. Donc, je les ai découpées. Donc, alors, ce que j'ai commencé par faire, j'ai d'abord découpé sur du papier craft, mais il n'est pas épais, hein, celui-là. Hein. Je pense que c'est les feuilles les plus fines du bloc des trois couleurs de chez Action. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est juste parce que je veux avoir un petit liseré marron. Parce que, bon, mes petites cartes, elles font peut-être un style un petit peu peut-être plus vintage. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Il y a quelques jours, j'avais imprimé un fond de papier écriture que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà. J'ai imprimé une feuille A4. Et voilà ce que je veux faire. Vous voyez, ça fait comme ça. Et il y a... Alors, peut-être que là, vous n'allez pas voir. Hop. Je vais vous mettre avec le fond. Vous voyez, quand on met le fond blanc, oh, eh bien, vous avez un tout petit liseré craft autour. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ces petites images. Voilà, comme ça. J'ai fait des étiquettes. Voilà, j'avais fait une petite vidéo hein, où je vous montrais les étiquettes, comment je les faisais. Et voilà, je vais faire comme ça. Et après, avec de la petite déco. Mais déjà, voilà, et ça va être avec toutes ces images-là. Mais pour commencer, je vais déjà ancrer. Je vais ancrer tout. Voilà. Alors, hop, je pense que la vidéo, elle sera quand même un petit peu longue. Hein, pourtant, j'ai préparé tout puisque j'ai découpé mes ATC enfin, pour le fond, le matage. J'ai découpé les... hop, ça va faire comme ça. Et là, voilà, je vais faire tout comme ça. Voilà. Donc, tout est prêt, découpé. Et voilà, vous voyez, ça fera comme un petit peu à l'ancienne, enfin un peu vintage, voilà. C'est ce que je voulais obtenir.
Voilà. Et du coup, voilà la première, voilà, qui va être prête. Et du coup, là-dessus, eh bien, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme, comme étiquette, mais ça va être comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Là, j'ai celle-ci. Ah oui, j'ai dit que j'allais peut-être ancrer aussi un petit peu le fond comme ça, parce que des fois, ça ne fait pas trop beau. Donc, vous voyez, ça, j'aurais pu le faire avant, hein, mais je me suis dit, si je fais tout avant, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Voilà. Donc, hop. Ça, ancré, c'est vrai que c'est pas trop, long. Hein, enfin, voilà. Et donc, je fais tout ça avec la vintage, hein. Ça, pour ceux qui se demandent c'est quoi, ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait hein, que vous connaissez pas, parce que c'est quelque chose que beaucoup de copinettes utilisent. Donc hop, mon petit poussin, j'adore mes petites images. Donc celle-là, là. Hop. Vous pouvez faire avance rapide hein, si vous voulez. Hein. Je sais que bon, c'est pas vraiment intéressant. Hein. Puis je vais essayer dans mon blabla de pas sortir des choses très trop intéressante, comme ça vous manquerez rien. Pour celles qui sont pressées et qui se disent oh là là, ça va être long hein, ancrer tout ça, pourquoi elle n'a pas fait ça avant? Eh ben oui, ben j'ai pas fait, parce que il y a de, alors il y en a certaines qui vont me dire mais pourquoi elle n'a pas fait ça avant, et puis d'autres qui, quand j'ai fait avant, vont me dire mais pourquoi est-ce que t'as pas fait tout de A à Z avec nous. Voilà, vous voyez, on a toujours du mal à contenter tout le monde. Alors, il y a des fois, je contente les unes et des fois, ben, je contente les autres. Et pour contenter tout le monde, eh ben, je vous dis, voilà, vous pouvez faire avance rapide. Vous voyez, ça fait trop joli. Après, il faut tout coller. Hop, voilà. Aujourd'hui, on est mardi, le mardi 26. Oh, il fait un temps, enfin le temps qu'ils avaient prévu, hein, de la flotte. Voilà, depuis ce matin, je me suis réveillée avec la flotte. Alors hier, du coup, j'ai pensé, je rigolais toute seule, parce qu'il y a quelques jours, il y a une d'entre vous, hein, je suis désolée, mais souvent j'oublie qui me dit vous êtes tellement... Et qui m'a dit, quand j'ai parlé pour le jardinage, bah, que c'était difficile et tout ça. Et qui m'a dit, bah, écoute, ce que tu devrais faire, enfin, ce qui, voilà, c'est bah, tous les jours, c'est faire une petite heure. Voilà, allez, une heure dans le jardin. Alors, depuis ça, de temps en temps, je rigole et je me dis, allez, je vais suivre le conseil et je vais faire ma petite heure de jardinage. Et ben, j'ai déjà fait... les plates-bandes devant ma cuisine, etc. Et hier, j'ai commencé en disant, allez, je vais faire ma petite heure. Et j'avais, je ne sais pas si je vous avais montré l'année dernière, si j'avais fait une vidéo ou pas, ça doit être dans une causerie du dimanche. Si j'avais fait, quand il y avait tous mes coquelicots, j'avais plein de coquelicots en fleurs. Et donc, cette année, bah, c'était parti au même endroit. Moi, je ne les ai jamais plantés là, mais il y en avait encore plein qui avaient l'air de vouloir... enfin, qui n'avaient pas l'air, hein, qui... voilà, il y a comme si j'avais fait du semis. Hein. Et mais, parce qu'il y a un mais, évidemment. Dans tous ces petits coquelicots, n'est-ce pas?
eh bien, il y avait plein de liserons. Mais quand je vous dis plein, mais voilà, je suis écœurée tellement il y en a. Et ce qui fait que du coup, après réflexion, je me suis dit, tant pis. Je dis, ben, j'aurai pas ma bande de coquelicots. Je vais tout enlever. Je vais tout nettoyer parce qu'il y a trop, il y a beaucoup trop de liserons. De liserons. N'importe quoi. C'est pas du liseron. Je vous dis des bêtises. Du trèfle. Voilà. C'est du trèfle, pas du liseron. Il y a du liseron aussi. Hein, mais là, c'est pas le liseron. Limite, le liseron, il est presque étouffé par le trèfle. C'est vous dire hein, la quantité de trèfle qu'il y a. Et du coup, ben, j'ai décidé de défaire ma bande, en fait. Voilà, tant pis, j'ai tout enlevé. Et donc, je me suis dit, hop, j'ai laissé tomber mon image. Je me suis dit, allez, ma petite heure de jardinage, vu qu'il ne pleut pas, eh bien, ça va être, je vais faire ma petite bande, je vais faire pendant une petite heure, et ensuite, je vais me reposer, je vais retourner dans ma salle de jeu. Voilà, en attendant que mon fils il arrive, puisque cette semaine, il finit à 4 heures. Donc, et comme il ne pleuvait pas, il m'avait dit qu'il allait essayer de passer la petite bineuse. Et, ouais, bineuse. Ouais, si, c'est ça. Il a acheté, enfin, on a acheté la semaine dernière la petite bineuse électrique qui était chez Lidl. À 100 €, quoi, 99 €. Pour, enfin, après, c'est pas non plus quelque chose de, mais pour ce que nous on a à faire, en fait, on a vraiment un tout petit bout de potager. Hein. Et franchement, elle fait l'affaire. Là, il l'a déjà utilisé 2-3 fois. Et franchement, ça marche très bien. Et comme on a un ami qui nous a ramené du fumier. Je vous raconte toute ma vie. Hein. Et qui nous a ramené du fumier, bah, justement, bah, là, ce week-end. Eh bien, je savais que en arrivant du boulot, en fait, qu'il allait passer, parce qu'on l'a étalé, et puis ça pue en plus. Et donc, il allait passer la bineuse. Voilà. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire ma petite heure de jardinage. Et ensuite, je me repose en attendant que lui, il arrive. Puisqu'après, c'est sûr qu'il va demander que j'aille l'aider à ceci ou à cela, même si c'est des petites choses. Voilà. Et me voilà partie. Me voilà dans ma plate-bande. Et j'enlève du coquelicot. Ça me déchirait le cœur de le faire. Et j'enlevais avec joie le trèfle. Parce qu'il y en avait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et bah, de fil en aiguille, je commençais à être fatiguée de partout. Mais je me dis, oh, il manque plus qu'un petit bout. Il est un petit bout. Qui je vois arriver? Mon fils, dis donc. Alors, mon histoire de la petite heure dans le jardin, c'était du 2 heures, hein, que je n'ai pas vu passer. Mais bon, du coup, ma plate-bande devant la maison, elle est nickel, en fait. Voilà, le dernier jour, là, qu'il avait fait très beau, vendredi, je crois, on avait repiqué... des rosiers que j'avais en pot, hein. Je vous ai dit que j'en avais, que j'en ai plein. Et donc, on en avait mis 2 en terre, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il y a. Et du coup, bah, comme j'avais nettoyé toute la bande, eh ben, on a remis 3 autres rosiers en terre par là-bas. Et du coup, ben, c'est pas pour dire, mais ma petite heure de jardinage s'est transformée en après-midi complète de jardinage. C'est-à-dire de 2 heures de l'après-midi à 6h30 le soir. Voilà. Autant dire que j'étais légèrement fatiguée hier soir. Remarquez, le côté bien, c'est qu'on s'endort plus facilement quand on est fatigué. Et du coup, j'étais contente, voilà. Et après, mon fils, il a eu le temps aussi de passer la bineuse, là où il voulait faire.
On a eu le temps de, bah, du coup, de nettoyer, de replanter des rosiers, etc. Voilà. Normalement, on doit continuer parce que j'en ai encore plein à planter. Mais voilà, on va... Le temps... Voilà, on est tributaire du temps. Donc, on va attendre qu'il refasse beau. Parce que là, depuis ce matin que je me suis levée, eh ben, il pleut. Voilà, il pleut, il pleut, il pleut. Ben, c'est ce qui était prévu. Donc, il y a pas de surprise. Hein, mais, donc, voilà. Après, je voudrais faire... Parce que là-bas, donc, j'ai nettoyé. Et j'avais commencé à nettoyer aussi de l'autre côté. Et toutes les graines que les copinettes... Enfin, que les copinettes... Si, c'est deux copinettes qui m'ont envoyé des graines, en fait. Puisqu'il y en a une, c'est pour des petits ronds de déco. Et donc, l'autre pour les fleurs. Et du coup, je voudrais justement faire... hop, jeter des petites graines à droite, à gauche... Pour qu'elle sorte. Voilà. Mes petites, les gueules de loup déjà. Je voudrais en mettre sur le devant là. Et les nigelles aussi. Parce que ça, les nigelles, ça pousse tout seul. Hein. Soit ça se plaît, ça ne se plaît pas. C'est comme les encolis, en fait. Voilà. Soit elles aiment bien où elles sont et puis hop, c'est bon. Soit elles ont du mal parce que voilà. Alors j'espère qu'elles se plairont là où je vais les mettre. Parce que j'ai pas, en même temps, j'ai pas forcément 50 endroits où, même si j'ai du terrain, mais j'ai pas forcément beaucoup d'endroits où je peux mettre des fleurs comme ça. Voilà. C'est surtout devant la maison. Et malheureusement, ce que je crains souvent, c'est que devant la maison, c'est en plein soleil. Vous voyez ? Et du coup, c'est ce qui est un peu plus dur. Voilà. Donc, ben, on verra bien. De toute façon, quand ce sera en fleurs, tout ça, je vous montrerai. Là, pour l'instant, je ne fais pas de vidéo dehors parce que déjà, d'une, il fait froid hein, le matin. Mais quand il fera plus beau et que les fleurs, elles commenceront à fleurir, en fait. Voilà. Il y aura des... Parce que bon, là, quoique je commence déjà à avoir pas mal de boutons sur les rosiers. J'ai même des petits rosiers, un petit rosier rouge là, que ça y est, il y a les fleurs. Il y a le bouton, il est tout beau, il est bien un beau rouge. C'est des petits rosiers. Ouais, c'est des petits rosiers hein, en fait, hein, c'est pas des grands. Mais je pense que ça doit être quand même assez rustique hein, parce que je peux vous dire que. Il y a eu des fois où j'ai bien cru que voilà qu'ils allaient pas tenir le choc. C'est des rosiers qui étaient déjà ici, en fait. C'est pas des rosiers que moi, j'ai ramenés. Mais par contre, je les ai déplacés. Voilà. Ici, depuis qu'on est ici, on les avait déplacés. Voilà, bah, ils sont tout beaux. Pour revenir maintenant, parce que vous avez vu que j'ai tout ancré. Alors, là, celui-là, c'est parce que j'avais ces deux petites images-là. Et au départ, j'étais partie avec celle-là. Mais... Après, j'ai retrouvé celle-là et donc je vais mettre celle-là. Je pense que ça va plus avec la série. Voilà, hop. Après, on va coller tout ça. Voilà, hop, on enlève un peu trop. Parce que ça fait... Et voilà, eh, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, ça c'est ancré. Maintenant, je vais voir comment les étiquettes, hein, parce que du coup, tout à l'heure, avant, j'avais mis à peu près les étiquettes que je voulais, mais comme j'ai fait les étiquettes, enfin, dans la vidéo que vous avez déjà dû voir, dans la série Je bricole, je vous ai montré comment j'ai préparé mes étiquettes. Je vous dis tout de suite, il n'y a rien d'exceptionnel. Je n'ai rien inventé. Voilà, il y a peut-être plein d'autres copinettes qui font ça régulièrement. Moi, ce n'est pas régulièrement, puisque c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai fait. Si j'ai déjà fait, c'est une fois et je ne me rappelle même plus. Vous voyez, c'est vous dire à quel point ça ne m'a pas... perturbé plus que ça. Et donc, je mets, hop,
Voilà. J'adore ma petite série d'ATC. Voilà, ça fait avec des images un peu à l'ancienne. J'adore, j'adore. Alors, ce que je voudrais faire. Voilà, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est les étiquettes donc, que j'ai préparées. Par contre, je vais sûrement ancrer un petit peu. Voilà, pas beaucoup, mais un petit peu. Pour pas que ça soit trop blanc. Voilà. Voilà. Donc, je crois que celle-ci, c'était celle que je voulais mettre par là. Voilà. Je ne sais pas si je vais me rappeler tout, mais bon. Hop, on encre. Hop là, viens là. Voilà, je ne sais pas trop. Voilà, je vais mettre un petit peu au hasard. Hein, parce que je, en attendant de trouver exactement où c'était. Alors, c'est là. Alors, celle-là, je ne sais plus celle-là où c'était. Non, 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 non. On va la mettre comme ça. Non, c'est celle-là, là, la jaune-là que je m'étais dit. Elle, je crois que c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là, à moins que... Ah, ça peut aller là ou là. Hein, mais là, ça va peut-être mieux parce que là, il y a le jaune des roses. Ouais, on va mettre là. On va mettre là. Et il y a encore une comme ça. Voilà. Alors. On aime donc que ce soit comme ça. Alors, ceux-là. Ouais, là, oui, je vais sûrement mettre comme ça, là, parce que celle-là, c'est une petite. Hein. C'est une petite. Alors, oh non, ça, ça va peut-être plus là, et ça, là. Voilà. Comme ça. Mais, oh, je sens que je vais éternuer. Oh, oh. Excusez-moi. 2, 3. Ça va s'arrêter là? Oui. Alors, du coup, j'hésitais à coller comme ça pour avoir un tout petit retour blanc. Mais... ouais, non, ça, c'est pas celle-là. Celle-là. Ça va être celle-là. Voilà, un tout petit... je sais pas trop. Ouais. Je sais pas. En fait, c'est trop petit. Il faut que je prenne une un peu plus large. Alors, attendez, si je mets, en admettant que je fasse comme ça, hop, je vais couper, je vais voir. Voilà, en admettant que je fasse ça, que je, voilà, je vais voir si ça fait bien, que je colle ça là, est-ce que ça fait ressortir plus? Alors, par exemple, si je mettais... Là. Non, pas du tout. Alors là, non. Par contre, alors si je fais... Oh, oh il a par contre... Ah là, ça fait joli. Alors on va le faire. Hop, hop, allez. Ah, ça fait pareil d'un côté et de l'autre, dis donc. Plus, c'est exactement le même. Eh ben, comment dirait-on? Alors, du coup, là, voilà.
Bon, on essaye, hein. Si vous avez vu la vidéo d'avant, enfin, celle où je faisais les petites étiquettes, vous avez vu le temps que ça prend quand même. Alors, du coup, ben, je suis désolée là, mais ben, c'est pareil, ça va prendre un peu de temps. Alors, du coup, hop, je pense que je vais recouper quand même un petit peu. Voilà, hop, je vais ancrer après, hein, mais hop, que ça fasse pas trop. Voilà, du coup, hop, on encore tout. Et celui-là, il est trop petit. Donc, on va le mettre là. Du coup, hop. Voilà. Et voilà. Alors, là. Et là, on recoupe. Là. Voilà. Et là, si je mets comme ça, là. Voilà, ça peut. Là, c'est joli. Ok, pour celui-là. Mais les autres, tous, ça ne va pas aller, en fait. Celui-là, je pense que je préfère. Je crois que je vais le coller tout simplement comme ça. Celui-là. Ouais, non, celui-là, il a vraiment besoin de, je pense, de quelque chose en dessous. Alors, si je faisais comme ça, celui-là, ça donnerait quoi? Alors, déjà, on voit le petit bout blanc du papier. Alors, si je mettais... Alors là, 1, 2, ok, il est là, celui-là. Là, on va essayer de me faire une avec celle-là, mais pour qu'il y ait un tout petit peu de... C'est vraiment tout petit, vraiment un petit filet de dorure. Vous voyez, ça fait vraiment tout petit. Hein. Voilà, ah, ça fait joli. Et donc, il y a encore les deux autres. Donc, je vais être obligée de remettre. Alors, c'est pas grave. Allez, hop. Non. Parce que ça va être... Je vais encore m'embêter. Ça, je ne vais pas avoir assez. Donc, allez, on met là. On verra bien. Aïe. Là. Voilà. Là, comme je disais tout à l'heure. Si j'ai mis partout, je crois que j'en ai mis que dans un de la colle. Oh, je sais plus. Pas grave. Donc, je reprends mon washi. Voilà. Ah, ça n'a pas coupé. Voilà, par contre là, je vais être obligée de ressortir mon massicoupe là, parce que voilà, ah, ça n'a pas bien coupé comme il faut. Je
c'est parti. On va commencer à se faire. Bon, écoutez, je sais pas comment j'ai fait ça. Alors, et là. Voilà, donc tout ça là. Là, maintenant. Allez, je colle les deux autres. On va coller dessus. Allez. Au début, je pensais pas forcément mettre du doré, mais tout compte fait, oui, ça va être partout comme ça. Voilà. Voilà. Ah. On pique la colle là. Voilà. Donc, alors, allez, on va commencer. Et celui-là qu'on va faire pareil. Voilà. Allez, maintenant on coupe. Voilà, donc voilà un et voilà le deuxième. Voilà et voilà l'autre. Bah écoutez, bah voilà, tout est prêt maintenant. Allez, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Alors, pour coller, je pense que je vais faire comme d'habitude. Ça va être le double face. Parce que sinon, ça va gondoler. De toute façon, je le sais parce que je l'ai fait plein de fois. Et qu'à chaque fois, eh ben, ça gondole. Et du coup, bah, écoutez... Autant que je le fasse comme ça. Ah, ça ne me dérange pas de d'utiliser du double face. Alors, peut-être que c'est un peu plus long. Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas si je vais faire vraiment tout jusqu'au bout avec vous. Hein. Je vais déjà faire une en entier. Et après, toutes les autres, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ouais, j'enlève tout tout de suite. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, on verra. Sinon, bah, celle d'après, j'enlèverai pas tout. Mais là, je me dis que oh, allez. Hop. Voilà. Donc. Voilà, donc là, il faut que je la mette. Vous voyez. Ah, voilà, donc voilà, c'est bien ce que je disais. Il faut pas... J'aurais pas dû... De la chance, j'ai réussi à tout défaire. Voilà. Voilà, voilà.
truc un petit peu. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Ensuite, ça va être là, l'image. Là, je vais la mettre au milieu. Donc là, hop. Mon chiffon. Voilà. Voilà. Regardez, voilà comme ça. Après, je vais mettre Joyeuse Pâques. Alors, je ne sais pas trop si... Ah oui, là, j'ai pas réfléchi que... Bon, c'est pas grave. Même si ça... Sinon, il faudrait que je mette comme ça. Là, non, j'aime pas du tout. Non, je vais la mettre... Voilà. Non, ça va être comme ça. Là, comme ça. Alors, double face. Hop. Et par contre, je vais peut-être mettre quand même un petit peu de colle. Bon, parce que comme c'est épais, je ne sais pas trop. C'est juste un tout petit peu de rien du tout. Voilà, regardez. Là. Et du coup, je m'étais dit que j'ai ces petits stickers-là. Et j'avais envie, dans chaque ATC, mettre un petit poussin. Voilà. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Pas les cocottes, hein, juste les petits poussins. Voilà. Sur chacune, mettre un petit poussin. Voilà, voyez là, et je peux même mettre un tout petit. Voilà, sur chaque, voilà, comme si c'était sur l'étiquette. Voilà, comme ça. Après, j'ai sorti mes strass jaunes, enfin dorés. Voilà. Et je voulais en mettre. Voilà. Pourquoi ça colle comme ça là? Hop. Dessus, j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre hop. Voilà. Donc, hop. Voilà. Là. Regardez. Ma petite ATC. Et voilà une de faite. Voilà. Hop, je la mets à sécher. Du coup, allez, on refait une autre. Hop là. Je prends celle-là. Allez. Tac.
façon, là, même si je ne fais pas tout avec vous, parce que je ne pense pas que je vais tout faire avec vous, hein, parce que là, il est déjà... enfin, je ne sais pas depuis combien de temps je suis dessus, mais ça fait quand même déjà pas mal de temps. Donc, je pense que je vais finir celle-ci. Voilà. Et après, bah, je vais continuer toute seule. Voilà, je vais continuer toute seule. Et je vous montrerai, ouais, je vous montrerai tout fini bah, pendant la causerie du dimanche. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je ferai ça. Je vous montrerai la série entière. Complètement finie. Et là, après, quand je vais arrêter, eh ben, j'irai manger, hein, parce qu'il est, il est déjà un peu plus de midi. Donc, j'irai manger, voilà. Et hop, j'essaye de poser, voilà. Et comment dire ça? Et après manger, ben je finirai, je continuerai ma série et je finis. Parce que je voudrais la finir aujourd'hui. Puis de toute façon, il pleut. Hein. Il n'y aura pas ma petite heure de jardinage aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors que je regarde à peu près. Alors, est-ce que je la mets plus comme ça, avec ça, comme ça? Ouais, je vais peut-être mettre comme ça. Donc, oui, il n'y aura pas mon heure de jardinage. Hein. Je... Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas agréable d'être dehors. Et moi, j'aime pas être en dessous de la pluie. Voilà. C'est pas le I sing in the rain. Je sais pas chanter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais moi, chanter sous la pluie... était vraiment mon kiff, hein, c'est clair. Ben, je... Bon, je dis pas un petit peu si je suis bien couverte, voilà, mais non. Peut-être quand j'étais jeune, plus. Hein, maintenant, non, j'aime pas. Ça mouille les cheveux, ça me fait friser les cheveux. Si j'ai passé une heure à faire mon brushing, eh bien, il est foutu. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, non, j'ai plus du tout plaisir à être en dessous la flotte. Ça, c'est bon quand on est gamin quand, ou jeune, en fait. Parce que je l'ai beaucoup fait, hein. Quand j'étais plus jeune, quand j'habitais encore en région parisienne, avec mon mari, on avait acheté un étang. Et du coup, souvent, bah, les week-ends, on descendait à l'étang. Et je me rappelle que la première année, quand on l'a acheté, bah, il fallait le nettoyer. Et donc, bah, je peux vous dire que j'en ai passé des heures en dessous de la flotte, hein, en train de couper les ronces, en train de... Mais voilà, à ce moment-là, tant pis pour le brushing. Hop, un petit poussin encore. Là, je vais mettre encore un là. Voilà. Ah non, mais regardez, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je reprends mes petites... Alors, par contre, là, je ne sais pas trop, à moins que je mette un, hop, hop, dans le petit panier. Hop là. Et je vais quand même mettre... ici. Alors, celui-là, il va avoir sûrement, enfin, pas sûrement, il va avoir plus de brillant, je pense. Hop. Voilà. Ouais, parce que je me suis dit que les petites fleurs, faire comme si le cœur des fleurs qui sont dans le panier, voilà. Voilà. Bon, je sais pas trop. On va, du coup, on va mettre quand même un peu là encore. Et là. Parce que du coup, ouais, ça faisait pas assez. Ça faisait bizarre. Plutôt là.
Et voilà. Regardez la deuxième. Bah, j'aime bien. Voilà. Et là, bah écoutez, là, je vais continuer. Non. Non, 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 non. Je dis des bêtises. Là, il est midi et quelques. Je vais aller manger. Parce que j'essaie de faire attention alors que je mange, malgré tout. Donc, je vais aller manger. Et ensuite, je reviens et je continue mes ATC. Voilà, je vais les terminer de toute façon cet après-midi. Mais il y en a encore pour un bout de temps. Vous avez vu là que c'est de là le temps déjà que ça m'a pris. Voilà, hop. Je vais vous les montrer. Et donc, je vous dis, elles sont à l'échange. Peut-être qu'au mois de... Regardez. Oh non, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et voyez, ça fait déjà 50 minutes. Donc, je pense que c'est assez quand même. Voilà. C'est assez. Voilà. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien. Attention, les yeux. Hop, ça tremble. Voilà. Et donc... Voilà, je vous montrerai la série terminée pendant la causerie du dimanche. Voilà, sur ce, n'oubliez pas mon fameux petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.